What's up, brother? J'espère que vous avez tous magnifique. Comment aujourd'hui pour le comédie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui. Les amis, on est sur K-Faction, le meilleur serveur PVP faction de la planète entière, les amis. Et oui, pourquoi je dis la planète entière? Parce que, les amis, nous sommes numéro 1 sur RPG Paradise. Et oui, pour la première fois de l'histoire de K-Faction, les amis, nous sommes premier RPG Paradise. Depuis 2015, ça veut dire que j'avais jamais eu aucun de mes serveurs qui était premier d'RPG Paradise. Normalement, c'était tout le temps ce qui est le PVP, les gros serveurs. Et pour une fois, nous sommes un gros serveur, les amis. Et je suis vraiment content. Je vais vous remercier chacun d'entre vous qui a pris le temps de voter ce mois-ci durant le mois de février pour le serveur. Ça fait juste 10 jours que le serveur est ouvert et on a déjà près de 15 000 votes. C'est juste insane, les amis. Donc, merci à tous. Je voulais aussi vous dire que on a fait quelques petites modifications, petites updates. Donc, pour ceux qui jouaient pas sur le serveur, qui regardent juste les vidéos là, on a refait notre système, notre plugin de faction. Donc, il n'y a plus de problème maintenant. Il y a déjà quelqu'un qui utilise ça. Mais maintenant, par exemple, si vous faites FF Info, on va faire Unexpress parce que je sais que c'est un de mes youtubeurs préférés. Donc, on peut voir, on a un nouveau plugin de faction. Tout est marche. Il n'y a plus de problème, plus de soucis, plus de lag. Il y a beaucoup moins de lag aussi. Il y a encore des petits freezes, des trucs comme ça. Mais ça, on est en train de régler. On a redescendu les slots à 400. On va les augmenter à 450. On a fait quelques petits changements. Tout le changelog est disponible sur le Discord du serveur. Donc, si vous avez envie de rejoindre le Discord du serveur. Nous sommes bientôt 3000 membres, donc ça me ferait super plaisir. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, vidéo présentation des bases de K-Faction. Donc deux belles bases. Donc on a une base, attends, j'en ai trois, mais il y en a une qui c'est une base d'un YouTuber. La deuxième, on l'a déjà vue, mais j'ai pas compris pourquoi ils ont fait une nouvelle femme assez énorme. Je voulais vous la présenter. Et la troisième, c'est une base que j'ai trouvée aléatoirement. Et vous avez déjà sûrement vu des vidéos dedans. Donc, sur ce, on commence dès maintenant avec la première base, la Paradise. Je vous ai dit, les amis, on allait commencer avec la Paradise. On les a déjà visités, mais ils ont beaucoup amélioré leur base et ils ont fait quelque chose qui est quand même assez intéressant. Regardez, ça fait des machines qui vont jusqu'en haut. Ça se peut qu'on passe beaucoup de temps ici parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Mais regardez, des machines jusqu'en haut qui produisent quand même énormément de citrouilles. Je sais pas comment, s'ils jouent le classement et s'ils jouent la monnaie, parce que malheureusement, je crois pas qu'ils sont dans le bal top. Non, je vois pas de membres de la Paradise, FF Paradise. Je vois pas de membres de la Paradise, non, j'en ai pas vu dans le top des trucs, donc c'est chelou. Mais on peut voir des systèmes de citrouilles quand même assez énormes. Il y a un petit truc qui va arriver cette semaine, les amis, donc ça se peut qu'il détruit tout ça. Mais il y a une nouvelle mise à jour qui arrive cette semaine, qui va, y aura un ajout pour les citrouilles, donc pour les récolter et tout. Donc ça va être plutôt intéressant, j'ai hâte de vous en parler. Donc les deux côtés comme ça. Ensuite au milieu ici, on fait de la belle décoration pour un champ de quoi? Un spawner à vache et des champs de canne à sucre. Wow. C'est quand même cool qu'il ait mis le temps de faire des vitres bleues. Sinon ici, il n'y a rien de particulier, je crois pas. Je crois qu'à l'intérieur ici, il y a des spawners. Donc on a 2, 4, 6, 7 spawners à creepers. Les spawners à creepers, ils vont ici et ils sont récoltables. Ici, ici dans le coin, ok. Sinon, il y avait aussi, j'ai vu, il y a un spawner Enderman ici, donc stylé. Le spawner est apporté un trésor. Ensuite, on a quoi? On a des escaliers ici qui montent en haut. Wow, mais freeze! Oh! Leur farm me fait lag! 0 FPS! Ok, il faut vraiment pas s'approcher de là quand les trucs ils démarrent. Donc voilà, en haut ici, il y a quoi? On avait déjà regardé ça. En haut, il y a d'autres trucs ici, il y a plein de coffres. J'ai l'impression que c'est une genre de salle de coffre sécurisée. Ouais, ça a l'air d'être une genre de coffre sécurisée, ils mettent du stuff dedans ici. C'est semi-sécurisé parce qu'en soi, ouais, en soi, le truc tombe en bas et tu perds les loot en soi. Donc ça, c'est un peu casse-couille. Mais sinon, ici, ils ont quoi? D'autres coffres sécurisés. Ça, c'est des coffres personnalisés pour les membres de le... Non, même pas, c'est les loot de mob. Je pensais que quelqu'un s'appelait Rotten, tu sais. Ici, spawner à squelette, on a combien de spawners? On en a 2, 4, 6, 8, 10. À peu près une dizaine avec un spawner à truc. Ici, ça continue à monter. C'est vraiment énorme leur chunk de merde, en vrai, quand tu y penses. C'est vraiment énorme. Et c'est pas tout parce que, regardez, je crois qu'en bas ici, il y a une couche anti-protection. Ou attends, c'est où? Je sais plus, je suis où en fait. Mais attendez, il faut que je retrouve où ce que j'étais tout à l'heure. Donc, oui, c'est ça. Regardez, sur tous les côtés comme ça, c'est au chunk au milieu. Regardez, ils ont fait des champs de carottes. On va descendre juste ici. Énorme, les amis. Regardez, s'ils mettent des harvesters dans le milieu de tout ça, surtout que maintenant la limite d'harvester est de 5 par chunk. Oh my god, la monnaie qu'ils vont se faire, les amis, sachant que pour 64 carottes au shop, c'est quand même 100$. Oh là 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 là, ils vont se mettre bien ces bâtards, c'est un truc de fou. Ils ont juste à mettre des harvesters dans le milieu et attendre, parce que voilà quoi. Et ça va être vraiment insane. Donc félicitations à Paradise! Je crache dans votre base de merde, faut vraiment que vous réglez votre souci.
Faut vraiment que vous réglez le truc des lags, les gars. C'est injouable dans votre claim, hein, vraiment, là. Injouable. On passe à la deuxième base, qui est la base de Onyx Freeze. La base de Onyx Freeze, maintenant, c'est une base qui fait déjà beaucoup moins lag, comme vous pouvez voir. Ah non, ok, j'ai parlé trop vite. Ok. Il y a 5 pélos juste en dessous, là. On va aller voir qu'est-ce qu'ils foutent. Ils font un endroit secret pour leur buisson à volcanite. C'est très secret, les gars. Wow. Wow. Je vous ai démasqué. Bien joué, les gars. Donc, c'est marqué ici, c'est quoi? C'est créateur de la déco Xlas. Personne qui ont aidé Nocieux et Killer Louis. Oh, Nocieux, je jouais avec lui sur Skill PvP. Donc, super moche ta déco, mec. Bien joué. Vraiment de la grosse merde, sa mère. Ensuite, on a quoi sur mon en haut? On a, oh, un champ de canne à sucre. Attendez, je vais juste aller voir. Ouais, c'est bien de la canne à sucre partout. Ouais. Ensuite, ici, c'est quoi? C'est un genre d'arbre géant, non? Il y avait une barre, j'avais vu, c'était un arbre géant. Je me souviens plus c'est laquelle. Non, ici, c'est un étage à spawner. Donc, on a le spawner Underman. D'autres spawners là, j'imagine. On va aller voir. Donc, ouais, spawner à Pig Zombie 3. On a d'autres Pig Zombies de ce côté-là. Donc, on peut voir ici, c'est leur installation à Pig Zombie dans l'étage du bas. Des golems ici. Donc, si on retourne en bas ici, par exemple. On peut voir leur golem, c'est dans le coin ici, j'imagine. Oh, ouais, exact. Ils ont ouf ça. Récupère les fleurs et tout. Ah, c'est stylé, vraiment, votre boss. Ici, c'est spawner araignée et tout. Stylé aussi. Ils ont bien fait avec, genre, ça rentre bien dans le thème. J'aime bien. Franchement, bien joué, les gars. Ensuite, on monte à l'étage d'en haut. C'est des carottes. Donc, j'imagine qu'ils vont pas être capables de mettre leur harvester au milieu ici. Donc, tu peux avoir un harvester, un harvester, un harvester. Si vous arrivez à mettre tout ça à harvester, oh là là, ça va être rentable pour vous, les gars. Cannabis, 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 cannabis. Cannabis, étage pas fini, étage pas fini. Et là, vous êtes à la fin. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme type de protection? On va aller voir c'est quoi les protections ici. Donc, eux, c'est la factory. Ils ont fait des protections. Oh, des couches anti-usbug TP. Stylé, stylé. Et je sais pas s'il y a des K-blocks ou quoi. Je vais pas vous montrer trop leur protection. Mais pour l'instant, ils ont l'air d'avoir utilisé que de la stone brick. Peut-être qu'ils ont utilisé des K-blocks ou des trucs comme ça en dessous. Mais aucune information encore là-dessus. Et on est... Oh, on peut voir, il y a une base qui a essayé de la raid. Eux, ils ont juste mal réussi, mais ici, ouais, c'est même pas claim. C'est, vous pouvez faire un canon à sable, easy sable ici sur le dessus, passer par le dessus, mais ensuite, vous avez encore un truc en dessous. Sinon, super de belle farm, Monix Freeze, plutôt intéressant. Ici, on a quoi? Ouais, c'est juste un endroit, dans le fond, pour empêcher le usbug TP, le crash code, je veux dire. Par exemple, on peut encore crash code grâce à des blocs comme ça, je vais te les enlever. Il y a des petits blocs comme ça qui servent encore qu'on peut crash code, mais la plupart des blocs ici, je pense pas que c'est possible. Ouais, bien joué les gars, c'est une super de belle base, elle est bien protégée en plus, comparativement à l'autre base qu'on a vu juste avant de la Paradise. Maintenant, passons à la troisième base, et je me souviens plus, c'est laquelle. À tout de suite. La troisième base, c'est la base de la Ultra Dox, donc c'est une base que vous m'avez fait des vidéos dedans. Je voulais vous la présenter depuis longtemps, et c'est pour ça qu'à chaque fois je me retrouvais là pour vous montrer les exemples et tout. Donc c'est parti, je sais pas si on l'a déjà présenté, je pense pas, mais dans tous les cas, regardez-moi ça les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spawners à Iron... Iron Golem. À Underman. C'est vraiment juste une full farm. On peut voir ici, je pense qu'ils sont fait piller parce que ça, ça a l'air d'être des explosions. Donc ça, ça a dû être explosé. Malheureusement, la personne qui va te péter ce coffre-là, elle a pas eu l'épée en épidote. La seule truc qui est bien dans le coffre. Donc, j'ai pas compris. Ici, il y a des spawners. Ici, on a un autre spawner à vache. Donc ça, ici, ça a l'air d'avoir été toute la terre qui a été pétée, comme on peut voir. Je sais pas. On a deux... On a... 4 spawners à squelette, 2 spawners à zombies, 1 spawner à araignée. Donc pas si mal. On a un énorme champ de cannabis, comme vous pouvez voir, énorme champ de cannabis. Donc ça c'est stylé, c'est bien fait. Melon en haut, melon, melon. Ok, puis ensuite on va aller voir au-dessus, mais on va continuer à regarder en bas quand même un peu. Juste ici on a un genre de effondre, je pense. Ça devait être un effondre protégé. Ouais, j'ai l'impression que c'est un effondre ça ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a si on monte l'échelle ici? On a des champs de cannabis. Sucre, canne à sucre, citrouille, pastèque et melon. Melon puis pastèque, c'est la même chose. Intéressant, intéressant. Parce que comme vous voyez, ici, c'est pas claim. Donc, je sais pas si les personnes pouvaient descendre droit devant. Si ça l'amenait direct dans la base. Comme on peut voir ici, regardez, ouais, ça l'amenait directement dans la base. Parce que ici, c'est libre. Donc, c'est quand même... genre, ici, je suis en territoire libre, je suis pas en faction. Donc, je pouvais rentrer comme ça dans la base. Ah, c'est comme ça qu'ils sont fait niquer, je crois. À cause que leur claim était mal fait. Ah merde, c'est dommage parce qu'ils ont quand même encore une grosse farm. Je sais pas s'ils ont perdu beaucoup de stuff, mais on peut voir que c'était une warzone ici. Il y a plein de trucs pétés là-dedans, là, là. C'était un peu le bordel, mais sinon, c'était une belle base. Dommage qu'elle s'est fait piller. Ah, je suis vraiment dommage parce que je me souviens qu'elle était beaucoup plus belle que ça. Mais comme je dis, elle s'est fait piller, j'ai l'impression. Mais bon, ah, ça me fait vraiment chier. J'avais vraiment le goût de vous présenter cette base-là. Ah, c'est dommage. C'est pas grave, les amis. Ben, on se retrouvera dans un prochain segment au spawn pour vous parler
de quelques petits trucs, les amis. À tout de suite! Donc voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Mais juste avant qu'on se laisse, les amis, je voulais vous dire que dans les commentaires, j'ai fait gagner 1000 points boutique à une personne. Donc mets un commentaire avec ton pseudo, le nom de ta base, et je vais aller regarder vos bases, les amis, et je vais choisir les 3 plus belles. En plus de ça, je vais choisir une des personnes que je vais choisir, je vais lui donner 1000 points boutique, donc c'est plutôt intéressant. Si vous voulez aussi gagner des points boutique, vous pouvez aller sur mon compte Twitter à moi, il y a un tweet dans la description, c'est 3000 PB à gagner, donc 30 €. C'est juste un tweet avec le lien de cette vidéo aussi pour que vous puissiez la partager avec vos amis et tout. Vous la mettez, vous créez un compte Twitter, vous followez KaFaction, moi-même si c'est pas déjà fait, ça prend quelques minutes à créer un compte Twitter et on fait plein de concours là-bas. Si vous n'avez pas encore rejoint le Discord de KaFaction, vous pouvez rejoindre le Discord dès maintenant pour être tenu au courant de toutes les informations, toutes les nouveautés, toutes les patchs, tous les trucs intéressants. Et en plus, que si vous êtes sponsor à ma chaîne YouTube, vous pouvez désormais avoir des avantages en jeu, comme le bon truc sponsor, donc un tag sponsor qui apparaît juste devant votre pseudo. Donc voilà, salut. Comme ça, là, tout le monde va spam. Sinon, vous avez aussi les nouveaux tags disponibles en jeu. Il y a le tag Kebab, Noob, Gilet Jaune, Tag Fortnite, et il y a plein d'autres tags qui vont arriver dans le futur. Donc on va mettre le Gilet Jaune. Je suis un Gilet Jaune. Voilà. Vous pouvez les acheter dans le shop, les amis, c'est disponible à partir de maintenant. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous aime énormément, c'était Icons. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ciao, ciao.